Salut les gens, aujourd'hui vidéo de Gundam. Alors c'est une présentation. Donc on va commencer par les bases. Alors à la base c'est un jeu sur bande d'arcade au Japon, très populaire, qui a eu droit à un portage PS3 sur console japonaise. Et sur mode DDB, des gens ont fait celui-ci qui vient, qui s'appelle, à la base c'est Windom XP. Qui était très très basique, c'est limite une version bêta, limite alpha même, ou encore. Et ils ont fait cette version Ultimate Knight XP Gundam Extreme versus Full Boost. Donc c'est le même nom que l'original sur PS3. Qui est donc c'est la version que je vais vous présenter sur PC, de mode DDB. Pour info, je vous mettrai tout dans la description, le... Ah c'est chiant ça. Le lien de mode DDB, lien de téléchargement, j'ai pris dans la description, ça marche pas, dans les commentaires, il y a les commentaires. Si vraiment vous avez des problèmes, au pire, il y aura moyen que je fasse un tuto. Je regarde l'heure, voilà. Alors, déjà, je vais présenter le menu. Alors, Extreme versus mode, c'est le mode de original. Vous allez choisir votre personnage, mobile suit, et vous allez accomplir des stages. Survival mode, vous avez un stage, sur le plus longtemps. Practice, c'est entraînement sur contre un bot qui bouge pas. Team Battle Mode, c'est un mode qui chez moi bug. Quand je lance, je plante. Blitz Tactics Mode. Très bon mode, mais l'optimisé. Avec une grosse config. En fait, il y a énormément d'unités affichées à l'écran, ce qui fait que ça rame. Pas qu'un peu. Hangar, je vais vous montrer ça. Custom versus mode, c'est pour faire ses propres batailles. Online Battle Mode, on essaie de le faire fonctionner, on n'arrive pas. Avec Yamashi, Tangle et tout merger, pas moyen. Les scores en kiss pour voir les scores. Dans l'engin, un truc qui est marrant, c'est ceci. Vous pouvez voir tous les mechas disponibles. Le RX-118 vraiment très bien modélisé, ou encore... Pendant au pif, tiens le Wing Zero. Oh, un peu bugué. Je vous rassure, donc dans le regard parfois c'est bugué, mais dans le jeu c'est pas bugué. Pour vous montrer le unicorn. Je vous rassure, il ressemble pas à ça. Mais est-ce quand même bugué, est-ce que dans le jeu, quand vous allez prendre. Il y aura plus de tête, c'est con. Enfin, vous le rendez normal en unicorn, mais quand vous passerez en du destroy type, il y aura pas de tête. Alors, j'ai présenté tous les mobile suits, il y en a 50. On peut en enlever, en rajouter, il y en a que 3 disponibles dans la catégorie mode ou add-on, je sais plus, du jeu sur mode DDB. Alors. Le RX-78 que vous avez intérêt à connaître, tout comme ce fameux Zaku 2 en rouge qui indique que c'est les mobile suits de Zéon rouge indiquent que c'est une unité à Charles Noble. Charles Noble, inquiète, c'est lui. Donc celui-là, c'est le premier Gundam jamais designé, conçu, apparu, tout bordel. Le Zaku 2 sera même le premier mobile suit que vous verrez. Qui sera l'unité de masse de production de Zéon, que j'expliquerai un peu après, vu que c'est un jeu d'arcade, qu'il n'y a pas trop de choses à dire sur le gameplay. Je parlerai de Gundam. Mobile Suit Zeta, j'ai vu que vraiment le début. J'ai vu beaucoup de séries, mais comparé à tout ce qu'il y a, c'est vraiment un peu. J'expliquerai ça aussi après. La marque 2 aussi, en version en couleur des titans, il est pas mal, le noir. Zeta Gundam. The O Full Armor ZZ Quibli. Là c'est donc Shark Counter Attack, c'est un film qui reprend un peu les bases. Enfin, je l'ai pas vu, mais c'est vraiment Amuro contre Charles Nabel dans celui-là. Avec son nouveau mobile suit, le Sazabi. Charles Nabel là. Heavy Gundam. F91, j'ai vu le synopsis avec des pirates de l'air, je crois.
Gundam. Alors ça c'est un Mobile Fighter. J'ai pas regardé, mais franchement le système 6 m'intéresse pas du tout. Pour mettre un peu les bases, donc tous les Gundam ont pour représente la guerre. C'est la guerre. Et là c'est plutôt des tournois avec des mobile suits. Ils se battent pas avec un cockpit et un poste de commande là. Ils se battent un peu comme dans. Comment dire? Avec une combinaison qui reproduit les mouvements sur le mobile suit. Un peu comme les Jaegers dans Pacific Rim, sauf que là, bon, c'est un peu moins recherché. C'est du vraiment shonen pur et simple. Donc ça c'est dans Gundam Wing Endless Waltz, c'est pas Gundam Wing. Gundam Wing par exemple le Heavy Arm il est orange et blanc. Mais ensuite puis dans Endless Waltz ils ont. Voilà. 4 Gatling. Sans oublier toutes les roquettes, les canons dans le torse. Le Death Sight Hell. Donc la troisième version du Death Sight, enfin, il y en a eu plein d'os quoi. Moi j'ai vu que Wing tout court. Et dans celui-là, il n'y a que deux formes de mobile suit. Le Talgis 3. L'EMS de Zaxmerkiz. L'Epion, donc lui, par contre, c'est dans Wing tout court. Notre mobile suit à Zaxmerkiz. 10, j'ai pas vu. Donc ça, le Tourney Gundam, perso, je trouve. Pour le design, perso, hein, franchement, je suis pas fan. Comparé aux autres. Par exemple le Epion là Desai voilà classe le Tornay j'ai quand même été regarder les premiers épisodes et franchement bon, on va pas se mentir bon, ok le design il plaira pas à tout le monde perso moi c'est vraiment pas mon préféré mais sérieusement le design choisi le mecha design colle super bien à l'ambiance de la série. Là un autre. Donc là on va passer à Seed, le Freedom Gundam, le Starlight Gundam, le Forbidden Gundam, Providence Gundam, Impulse Gundam. Par contre c'est dans Seed Destiny. L'Infinite Justice. J'ai vu que le début de Seed tout court. Seed Destiny j'ai pas vu beaucoup. J'ai même pas regardé. Stargazer non plus j'ai pas vu. Alors Double Zero, une excellente série qui part vite vers du Michael Bay vers la fin. Enfin à partir du milieu, j'ai regardé en OAV. À partir du deuxième OAV, c'est oui, c'est Michael Bay. Avec des particules GN. Pas pareil. Donc Lexia, un très bon mobile suit. Double Zero Lizer. Ce qu'on retiendra sera sa Riser Sword, si vous avez vu. Je crois que c'est dans l'OAV. Je sais plus dans quel OAV, je crois que c'est dans le 3. Le Shirouji Gundam, donc ça c'est un Gundam sniper. La Arch Gundam. Ça c'est un Gundam de l'équipe Trinity. C'est une petite équipe qui utilisait les Gundam de façon à. En gros ceux-là, exemple l'Exia, le Shirouji, le Kyrios, le Virtue, bon, il y en a eu plein donc c'est pas les noms ont changé au fur et à mesure. Ceux-là étaient. Avait pour but d'utiliser les Gundam en les faisant remarquer, donc en faisant des actions bonnes ou mauvaises. Je dirais rien pour ne pas spoil. Tu l'as pas encore vu, mais il y a une scène assez marquante. Ribbons Gundam, je crois que c'est drôle, là, vraiment à la fin avec Ribbons Hallmark. C'est le Double Zero Quanta. Dans le film, j'ai pas trop aimé l'intrigue. Même certains passages étaient pas mal. L'unique en Gundam. Alors, à préciser, cette série se passe dans l'univers Century. J'expliquerai après ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Le Delta Plus, une sorte. Un peu le CGM, pas mal. Le Sinaju. Qui ressemble beaucoup au Sasabi. Parce que son pilote Full Frontal est fortement basé sur Charaz Nabal. Kshatriya, un mobile suit très puissant. On voit qu'il y a les lignes du Zaku. Le Banshee, donc il ressemble beaucoup à Unicorn. On le voit assez tard dans la série.
dans l'OAV 5. Le SZ8, alors lui c'est l'Universal Century. Le 2 c'est l'Universal Century Gundam Itemas Team. Mais Itemas Team c'est de mes préférés. Parce que autant les... Bon, faut pas oublier, c'est un manga, parfois ils mettent comme des scènes assez violentes qui sont... Quand je dis violentes, c'est parfois presque improbable. Très craqué. Et Gundam Itemas Team, c'est des mobile shoots qui restent au sol, qui se tirent à coups de canon. Et c'est du réalisme. Comparé par exemple au Gundam 00, parce que l'Exia va pour éclater des armées entières. Dans beaucoup de séries Gundam, ça sera comme ça, ça sera au début, c'est réaliste, c'est pas surjoué, évidemment ça devient vite surjoué. Bah, Itemas Team, dans ses 12 épisodes, et même le combat du EZ8 contre le Goof sera très bien fait. C'est vrai que je vous recommande, en plus elle fait que 12 épisodes. Crossbone Gundam, faut penser à Albator ces deux-là. Là, c'est deux petits OAV de 5 minutes chacun de Seed. C'est sûrement du bonus. Je me demande, vu la gueule qu'ils ont remis et la durée des OAV, je me demande même si ça n'a pas été fait juste pour les maquettes, le Gunpla, je sais pas si vous connaissez. J'en parlerai. Et le Wing Zero que j'ai rajouté. En fait, j'ai changé le Wing Zero. Enfin, le Wing de Endless Waltz. Avec des ailes que j'aime pas trop. Par le Wing Zero qui est classe. Alors, pour commencer, on va prendre le. Ah, t'as cru? L'exact, c'est mon bus préféré d'un ami. Tout aussi fan de Gundam. Son pilote, c'est lui, Setsuna. Alors, les pilotes, ils servent pas grand chose à part mettre de l'ambiance. Donc, nous, pour le RP, on va prendre Setsuna. Donc, pouvoir Kamuro Reich, Raznable, que vous avez deux intérêts à connaître, c'est les bases. Alors, dans toutes les séries Gundam, il y a toujours ce que je dirais l'Arien pilote de Mobile Suit. L'Arien, si vous savez pas ce que c'est, je vous ramène à la Seconde Guerre mondiale. Pendant le troisième Reich, le blond masqué, donc par là, Charles Nabel, je vais montrer aux autres. Il y a Mister Bushido, plus. Non, il est pas là. Mister Bushido qui. Il m'a plus fait rire qu'autre chose, lui. On le voit à peine, mais ça. C'est pas un rien qui restera dans les mémoires. C'est tout à fait. Il y a le stratège, c'est le pilote du Dynamès, du Cherudi, mais du Zambia. Alias Sanchez, c'est un. Personne qui était proche de Setsuna, faut regarder l'anime. Moi, c'est la marque, j'ai envie de le claquer lui quand vous le voyez. Je sais pas d'où ça vient. Cachou Domain, donc eux deux, c'est eux les pilotes de Mobile Fighter. Domain Cachou et Master Asia, c'est eux qui. Lui, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est le God Gundam, l'autre, je sais plus. Enfin, je vais même pas regarder. C'est lui le pilote du EZ8 et lui, c'est le pilote du Goof. Alors, malgré son air, je suis méchant, c'est un personnage réaliste. Et lui, un excellent pilote que j'aime beaucoup. Kira Yamato, personnage, c'est lui le pilote du Striker qui est assez connu. J'expliquerai un peu pourquoi Seed est assez connu. Raoul Creuset, un autre Arien masqué. Là, c'est dans Seed Destiny, je crois. D'autres personnages, Shinazala, Asran, Asuka, Luna Maria Hawk. Alors lui c'est le pilote du Astre Blue et lui le pilote du Astre Red. Lui c'est le pilote du Tornay, là c'est le pilote de l'autre là qui est bizarre. À droite du Tornay quand j'ai passé les MS. Manager Lynx, le pilote du Unicorn Gundam. Un autre Arien, donc lui c'est Full Frontal, pilote du Shinachu. Marida Cruz, pilote du Kshatriya au début. Plus, je ne spoilerai pas. Lui c'est pilote du Delta Plus. Là on passe à Wing Hiroyui. Ah si c'était 5 je préfère. Ils sont 5, 5 jeunes pilotes. Pour moi c'est cul ça. Hiro le plus déterminé, Maxwell, doux et charmeur. Non. Charmeur,
drôle et charmeur. Trop beau. Le plus mystérieux. 4. Doux et gentil. 5. Le plus solitaire. Retapez-vous juste cet opening en français. La voix du narrateur, ça mourrait de rire. La façon dont il surjoue le truc. Cet opening, il est connu parce que on connaît tous les, par exemple Chevalier du Zodiac, l'opening japonais classe qui va être, quand il va passer en France, aura droit à un opening fait en français. Et ben Gundam Wing, lui, avait gardé son opening japonais. Par contre, ils ont mis un petit narrateur au-dessus. Et ben, ça reste culte. Zex Merkis, c'est un autre Aryen qui... là, c'est sur son masque. Gendrin, lui, c'est pilote du Zeta au début. C'est le personnage principal de Zeta. Mais c'est un autre Aryen. Par contre, il est pas masqué. Pas obligé qu'ils aient le masque en fait. Ben, ils ont généralement un masque. Mais le masque, c'est pas l'identité secrète, un peu comme le masque de Dark Vador. C'est parfois leur masque, ils s'en foutent. Genre, je suis Charles Nabal ouvre son visage dès le deuxième épisode. Vous dire à quel point, ben, c'est pas l'intrigue principale. Connais pas. Et donc, vu qu'on a pris le Dobbs, le Exia, on va prendre cette Snipe Seiyei. Ah voilà. Franchement, les modèles ont été vraiment très bien faits. Je sais pas si c'est le modèle original des jeux d'arcade, mais franchement, il y a pas de quoi se plaindre. Après, tout dépend des MS. Alors, je vais parler des touches. Je risque de me faire péter pendant que je parle des touches. Alors, bouger avec le joystick, double impulsion, c'est une esquive, un truc comme ça. Quand on appuie sur croix, on va voler. Quand on fait, lorsque l'on fait double croix, une direction, double croix, on ira dans une direction. Carré, c'est le tir à distance. Plus ou moins puissant en fonction des MS. Rond, c'est l'attaque au corps à corps, également plus puissante en fonction des MS. Certains non, par exemple le Cherudim n'a pas d'arme à courte portée. Ça coûte de... Voilà. Ah, je vais te parler d'un truc après, je reparlerai après. What? D'accord, c'est mangé. Ensuite, il y a les attaques spéciales. Donc moi j'ai calé ça sur L1, L2 et R3. R2. Alors pour l'Exia, tout est différent. Par exemple pour l'Exia, c'est ça, c'est L1, c'est une sorte d'esquive. L2, c'est, je planche le bouclier. D'accord. Et R2, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour l'Exia, en fait, il faut appuyer et relâcher au moment où est-ce que vous passez au-dessus du MS. Et elle a, moi que je suis R1, j'ai calé défense. Alors en bas à gauche, tout en bas à gauche, en dessous du portrait de Sasuna, c'est ma vie. À droite, c'est à chaque fois que, lorsque je tire, c'est un peu de la stamina. À droite, bah, c'est du boost. Voilà, hein, c'est un peu. Que quand j'utilise les réacteurs, ça diminue. À droite, il y a 4 petites barres. C'est, par exemple, lorsque j'utilise l'attaque L1, pouvoir qui va, ça va être vidé. Je peux le relancer. Il faudra que j'attende que ce soit rempli pour pouvoir le relancer. Par contre, il y a aussi des combinaisons à faire. Par exemple, je sais pas pour activer le mode 35. Bah, ça c'est chelou.
J'arrive pas à activer les modes transarmes. J'essaierai de voir. Alors pour l'attaque au corps à corps, lorsque vous faites, vous deux appuyez sur rond, moi je classe ça sur rond, et que vous pouvez redonner de la direction, mettre une direction avec le joystick. Et le coup sera différent. Je fais un ou deux combats après avec ce MS. J'attends que la barre se recharge et j'appuie sur R3. C'est un jeu d'arcade pur. C'est un peu ce que je disais vu. Là, à part, j'ai plus rien à dire sur le jeu. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est parler de Gundam. Voilà. Bon, je vais quand même parler un peu. Je disais que tous les mobile shoes sont vraiment différents. Il y a quand même tous les mobile shoes seront différents. Mais vraiment tous, par exemple. On ne jouera pas de la même façon un Death Sight qu'un Cherudim. C'est vraiment bien fait, ça. C'est. C'est quoi celui-là? D'accord. Alors, ensuite Gundam. Je pense que je vais parler de Gundam. Alors, je parlais de. Vous pouvez voir que j'ai parlé de Gundam et j'ai dit plein de noms de séries. Quel est ce que vous avez demandé? Si vous connaissez Gundam, voilà. Là je vais essayer de meubler parce que sinon ça va être du blanc. Donc je vais parler de tout ce que j'ai à dire sur la série. Alors, Gundam ça vient de 79. Déjà, en fait, je sais pas par comment, c'est tellement vaste. Pour dire à quel point c'est culte, c'est comme en 79 et on est encore en train de faire des séries. Donc, à la base, Gundam en 79, on a eu droit à Gundam 79. Le fameux Axe 78, Amuro Ray, tout ça. C'était classe. Et donc ceci se passait dans un univers, l'Universal Century. Donc Fédération, Comte Zéon, voilà, etc. Au bout d'un moment, ça a commencé à. Ils ont eu pour idée de faire des univers alternatifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'UC. Parfois, vous comprenez pas les hitbox du jeu. Putain, que ce l'enfoiré. Donc, au bout d'un moment, ils ont eu pour idée de faire des univers alternatifs. Dans Gundam, deux séries de l'UC, du Versus Century. Gundam, l'original 79, et Gundam, Zeta. Parfois, les personnages de Zeta, ou dans Unicorn, feront référence à Amuro Ray, à Charles Nabel. Parce que c'est la même série, c'est la même histoire, ils suivent la même histoire. Alors que par exemple, il sera tout à fait impossible, par exemple à Zex Merkis de Wing, de faire référence à Charles Nabel. Tout simplement parce que. Ceci n'existe tout simplement pas. J'espère que c'est clair. Ou c'est des univers, on va dire, parallèles. C'est assez compliqué à comprendre. On va dire que l'UC, c'est un peu comme Star Wars. Vous avez une chronologie qui est exploitée. Bah, c'est ça, c'est pareil. Sauf que l'UC, c'est l'original, peut-être la meilleure. D'abord je vais changer de monsieur, je vais prendre le Wing Zero avec. Hello. On va prendre la map. Là. Alors je prendrai. Alors ici vous pouvez mettre. Je prends ce que je dirai après. Vous pouvez mettre des musiques, des openings, des endings de différentes séries. Par contre. À cause des droits d'auteur, je prendrai pas le risque. Je mettrai les musiques du stage. Ce sont des pressements, des remises, des trucs faits pour. Ben voilà. Je prendrai pas le risque.
Ils sont pas mal non plus. Oh, sympa. Le fameux beam laser à Hiro. Côté. Par contre, il fait mal. Donc, je parlais des univers. Donc Lucé reste la meilleure. Là, parce que c'est la plus vaste, la plus exploitée, l'originale, tout ça. Mais donc, ils en ont fait des autres entre. Par exemple, par exemple Wing, c'est totalement différent. Dans toutes les séries de Lucé, ça sera tout le temps. La trame de Zeon contre la Fédération, où Zeon et la Fédération existent. Alors que dans Wing, c'est totalement différent, par exemple, c'est de l'alliance contre les colonies. Après, parfois, évidemment, ils prennent des trucs, par exemple, les colonies, ça vient de l'original. Putain, je déteste ces trucs. Voilà. Donc chaque série reprend vraiment. Il y a vraiment tout. Donc, je commence un peu à avoir dit le tour. Donc, Gundam a aussi pour but de dénoncer la guerre. Et toutes les séries dénonceront quelque chose en particulier. Exemple, oui, 00 dénoncera, est-ce qu'on peut régler la guerre par la guerre? Donc Celestial Bing veut... Arrête-toi. Veut arrêter la guerre en s'imposant sur chaque conflit et l'arrêter. Et détruire les deux camps. Bon, après évidemment il y aura des différents trucs, mais ça après c'est la série. Et la trame principale c'est ça. Dans Wing, c'est ma propre interprétation. Ces choses se concentrent à genre de jeu en parlant. Ça a vraiment montré le bordel de la guerre, pour que ce soit politique, sur le champ de bataille. Ça reste quand même une série très très intelligente. Après tout dépend. En plus, toutes les séries sont... Certaines seront plus... se rapprocheront plus d'un seinen, d'autres d'un shonen. Par exemple, Gundam, les prochains qui vont sortir, sont considérés comme du shonen. Alors que les autres, bah, sont pas du tout considérés. J'ai jamais trouvé si c'était de version officielle que c'était un shonen, autre chose. Après, je suis d'accord avec l'arrivée moderne qui dit que ceci n'est pas un genre, mais bon. Après, shonen, seinen, ça, regroupe des sous-genres, vous aurez pas un truc. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ça va rentrer un jour. Mais pas aujourd'hui. Le seul. Voilà. Bon, comment ça me saoulait lui? Si ça touche pas là. Voilà. Voilà. Dans tous les univers Gundam, il y a ce qu'on appelle des mobile suits, qui sont par exemple ce que j'ai. Ce qu'on pourrait définir par mecha. Forme assez humanoïde, qu'ont des gros robots. Gundam, ça reste quand même une série réaliste, même si certains trucs sont irréalistes, des véhicules de combat.
Et bah les mobile shields c'est exactement la même chose. Ce ne sont que des armes. C'est au même niveau qu'un tank, qu'un avion, qu'un hélicoptère, tout ça. Bon après évidemment c'est plus puissant. Mais ce pilote, par exemple on voit là le Deathsight, son pilote est très s'il faut péter mon Gundam, je vais le péter. Hein. Le fuck all button, je sais pas si vous avez déjà vu cette image, sur le bouton magique et ça fait tout péter. Non, c'est une truc sur la. Par exemple, les pilotes du Pacifique. Et donc, il y a des. Par exemple, le Zaku, là, c'est pas un Gundam. C'est un peu comme Sheldon disait. Tous les jacuzzi sont des Baromu, mais tous les Baromu ne sont pas des jacuzzi. On va faire un mec facile à parler comme ça. Le LX78 avec Amulolei. Je reviens à ce que je disais. Et j'ai oublié. Je parlais du réalisme. Donc, par exemple, le Zaku n'est pas un. Je parlais de Shadow et son Baromi. Bah, c'est un mobile suit simple. Et après, tout dépend de la série. Certaines séries mettront vraiment en avant. Parfois, les Gundam, on les oublie. Bah avoir un gros plan sur la guerre. Vu que ce sont des instruments de combat, on aura des combats de mobile suit contre les tanks. Bataille pendant la seconde guerre mondiale là-bas, je rappelle. Et merde. Ça va rentrer. C'est rentré. Donc par exemple, c'est ça, c'est vous verrez tout. Vraiment, toutes les séries apportent leur propre truc. Dans l'univers Century, c'est beaucoup plus simple arme, par exemple, vu que ce sont des univers alternatifs, les auteurs peuvent se permettre des écarts, tant que ça reste crédible dans son propre univers. Parce que moi ça me dérange pas. Enfin, il s'agit de la musique de la OST de Gundam 00 qui est juste magnifique. Si vous pouvez voir la tour qui est en face, il s'agit de d'un sorte de capteur de panneau solaire, de tour qui sert à capter l'énergie solaire. Après, ça c'est dans l'intrigue. On peut encore oublier ce que je voulais dire. C'est chaud de parler et de jouer en même temps, surtout à ce genre de jeu. L'approcher le master. C'est pas, on va péter le heavy arm. Ensuite, si vous voulez tenter l'aventure de Gundam, dites-vous qu'il y a au moins une bonne vingtaine, trentaine de séries Gundam, je sais pas exactement. Si vous voulez en commencer par une, il y a Seed qui est pas mal car elle reprend l'intrigue de Gundam original, mais avec en prenant de nouvelles choses, par exemple l'action 18, c'est par le Striker, mais c'est globalement le même. Par exemple, dans Origins, c'est après une attaque sur une colonie, les habitants de la colonie vont prendre un navire et puis un navire spatial et vont se... Putain, ça va rentrer. Voilà. Et vont retourner à chercher la Terre. Et ben, sur la Terre. Et c'est exactement pareil dans Seed. Ensuite, vous avez Wing qui est juste vraiment bien foutu. Je vous le recommande. Double zéro si vous voulez quand même tenter quelque chose. Par contre, si vous aimez pas trop les explosions surabusées, vous allez pas aimer.
si vous voulez que du réalisme, bah, Gundam 8 Messi, il est juste génial. J'hésite même à dire que c'est mon préféré. Je sais pas c'est lequel exactement mon préféré. Sais pas exactement. Bon, moi, maintenant, je pense que je vais arrêter. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, sinon la vidéo sera totalement chiante à upload. Bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé de Gundam, peut-être un peu bordélique, je vous l'accorde. Pour pas vous cacher, j'en avais fait une sur le jeu, qui était que j'avais bien aimé. Mais YouTube n'a pas voulu mettre ma vidéo pour cause de droit d'auteur. Et donc honnêtement, ce que je viens de tourner, je la trouve peut-être moins bien que celle d'avant, mais voilà. En fait, j'ai peut-être dit tout ce que j'ai dit dans l'autre, mais de façon un peu bordélique. Pour ceux qui intéressent le jeu, j'ai expliqué un peu ce que c'était Gundam. Mettez-y, essayez, c'est une excellente série. Pour ce qui est du jeu, je pourrais l'aimer si vous appréciez Gundam. Voilà. Bon, tout est dit, moi je vais. Ah, c'est la cutscene. Tout est dit, moi je vais vous laisser. Et je vais essayer d'upload ça le plus rapidement possible. Allez, bye!